僕と見せてやる。もらった。これはどうだ。クソ。これはどうだ。遅い。これはどうだ。遅い。やさかの魔仲間。これはどうだ。行くぞ。カプトン宝戦火の術。終わらせてやろう。遅い。くそ。遅い。これはどうだ。木星汚染弾。そこだ。くそ。くそ。遅い。蹴りつけてやる。遅い。やさかのマナカマ。これはどうだ。行くぞ。カプトン宝戦火の術。行くぞ。あいつの術。終わらせてやろう。これはどうだ。惑星破戦弾。くそ。遅い。やさかの魔仲間。これはどうだ。いくぞ。カプトン宝戦火の術。おいちゅう。くそ。ハハハハ。これはどうだ。遅い。これはどうだ。行くぞ。もらった。くそ。これはどうだ。行くぞ。そこだ。よっ。
Alors, incroyable, mais oui, j'arrive en pleine vidéo. Incroyable. Salut à tous, évidemment avec un peu de retard, j'espère que vous allez bien, évidemment. Bon, j'étais en appel téléphonique, bien sûr, avec quelqu'un, donc je n'ai pas pu, n'ai pas pu évidemment commenter mes games. Vous inquiétez pas, tout va bien. On discutait de l'appui du bouton, de tout de rien, donc absolument aucun problème. Évidemment. Bon, j'ai aucune idée de ce qui se passe évidemment en lice, mais bon, j'ai lancé 2-3 combats. Bon, j'ai essayé de plus ou moins les gagner avec un succès, comment dirais-je, relatif. évidemment. Et donc, du coup, on est là. Alors. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais plus. Oui, on va lancer un outil du Madara dans le doute. Franchement, dans le doute. Ah, je suis pas du tout dedans. Je suis pas du tout concentré. Ah, tu vois, il a pris le Kimaro percé. Intriguant. Il a monté 4 étoiles. Et bah, disons, là. Il y a beaucoup. Oui, il a beaucoup de respect envers ce Kimero. Je ne sais pas si c'est la meilleure des options. Et pourquoi pas? Ok, nickel. Nickel, nickel. C'est parfait. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Combien de coins? Ok, on a l'avantage. Il y en a auto. Évitons de lancer trop d'ulti. Ok, bon, il y a Medfeu qui s'est positionné juste à côté de moi. Bon, bah, du coup, je l'affronte, hein. Pas de problème. Voilà, c'était en haut, évidemment. Allez, petit ulti, j'ai rien. Oh, allez, du bonheur, du plaisir. Ok, on va lancer un ulti Itachi, le vrai. Ah zut. Est-ce que je suis le vrai? Ah, ça c'est une grande question. Ça, être ou ne pas être, telle est la question, bien sûr. Que peut-être que je suis le faux depuis le début. Je suis peut-être le faux depuis le début, et oui. Ça évidemment, personne ne l'a pensé. évidemment. Donc évidemment, ce serait une catastrophe. Tout est faux depuis le début. Voilà, c'est terrible. Ah bah du coup, moi j'étais en mode aveugle-man. Hein. Franchement, mis à part raconter des bêtises, je suis pas dedans. Écoutez, pardon, pardon. Bon, désolé, désolé à toi, Oli DJ. Pardon, désolé. Pardon, je suis pas attendu. En fait, j'ai vu quand le combat était fini. C'est un peu tard, non? Oui? Bon. Ah, dommage. Bon, il m'a inspiré mon chakra. Bon, au final, on va être pépère. Hein. Le niveau 1 du tryhard, c'est-à-dire que. On fait pas trop les andouilles, mais bon, on est suffisamment peu concentré pour faire un peu n'importe quoi. Et globalement, bon, faire quelques erreurs, mais bon, écoutez, que voulez-vous, c'est comme ça. Que voulez-vous, c'est comme ça. Bon, du coup, si on a fini son combat, incroyable ça. Ok, bah moi aussi. Oh là. C'est absolument incroyable. Et on va affronter Gifu, tiens. Est-ce qu'on. Allez, on va attaquer comme un abruti total. Tomoyo. D'accord, très bien. On a cliqué dans tous les sens. Quand il joue. Comment il s'appelle? J'ai mangé son prénom. Ah zut! Et si vous savez, avec les marteaux bizarres,
Et des poursuites dans tous les sens. Le Master of Poursuite. Vous connaissez le ninja de boisson là. Animation double. Qui fut une période était au top du top. Dans l'illusion infinie avec les poursuites là. Bon, c'est pas comme en haut, c'est pas comme Amora, ça doit être autre chose. Ah zut. Amnésiban, bonjour, c'est moi. Oula, mais ton vélo il est fort. Il a beaucoup de combativité. Voilà. Ah bah ça va être une défaite, hein. Ça va être incroyable. Et va, let's go. Bon, on va prendre un peu de résistance et pour éviter de se prendre 40 millions de dégâts avec la commotion. Bon, pendant que Sion, lui, il est en mode ligne droite, tout droit, en mode c'est let's go, c'est parti. jusqu'à ce que, évidemment, il y a un mec de 4 milliards de combativité qui va débarquer. Mais bon. Ou alors qu'il y a quelqu'un qui a un chichui de folie, bien sûr. Et un chichui qui pète un plomb totalement. Ok, donc. Ah bah, il est immobilisé son arme tour. Ah bah, ça c'est. Ça c'est absolument incroyable ça. Oh. Oula. Oh, les dégâts de commotion. Attention tout de même. Attention tout de même. Il faut lancer l'ultimate arme. Parce que bon, si jamais d'une manière ou d'une autre. Un multi obito démasqué qui débarque, c'est la catastrophe et c'est la défaite. Bon, finalement, on réussit à s'en sortir. très bien, de manière assez miraculée, bien sûr, parce que étant donné à quel point je suis concentré, bien sûr. Alors, okay. Okay, on va essayer d'éviter le chi, bien sûr. Le salut de la main, bien sûr. Mada. Ok, visiblement. On a réussi à l'esquiver également. Peut-être. Du sable rouge. Ok, on va essayer, du coup. Maintenant qu'on est un peu près concentré, on va aller paralyser le Kimaro. Le. Oh là, au secours. Le Kizame, bien sûr. Les images, c'est terrible. Pour. Dans le but, évidemment, de. De conserver le coup chakra de 40 qui nous permet par la suite bien sûr de pouvoir évidemment s'en donner à cœur joie vis-à-vis des outils qu'on peut lancer on peut lancer autour d'eux pour essayer de potentiellement d'interrompre l'hôpital ou que sais-je, bon, bref, n'est pas pressé, il y en a autant en face de toute façon. Bon, il lance un ulti, c'est très bien. Donc on va essayer de paralyser un petit peu, quelque peu, ça sonnader à l'autre côté, là. Bref. Ok, on peut lancer l'ulti, madame. On va y aller directement. On va commencer à utiliser des dégâts. Peut-être. Tour 2. Oui, c'est très bien. Ok. On finit par gagner avec mon main. Et bon, j'essaye de retrouver l'esprit calme, l'esprit détendu. Je suis l'esprit du. Dans les cours de yoga, doit y avoir. Je suis si calme qu'un étang d'eau, etc. Excusez-moi, je connais pas grand-chose, mais l'écoulement de l'eau est parfait. Dans la sérénité la plus totale et on est contre un star. Bon, je sais pas si ça va nous aider, mais bon, on va essayer de donner notre mieux. Alors ailleurs on peut tenter de on peut tenter d'essayer de paralyser un petit peu l'adversaire quelque peu. Oui, on peut essayer d'un nouveau reparalyser la Conan, pourquoi pas. Okay. Alors comment ça se passe? Ok, si on va, tout va bien. Et alors c'est tout ce que j'ai envie de savoir. Katon Akilai, bien sûr.
Eh bien, il y a là... il y a toi, l'ail. Bon, c'était nul, mais... Ah là là, mais j'arrive pas à me concentrer. C'est terrible. Jean-Michel, jeu de mots, bien sûr. Jeu de mots nul, hein, je crois que c'est... Et c'est ok, ben, il a paralysé, paralysé. Bon. Alors. Ah, on a un problème d'équipe de type Illuminout. SOSP1. Il est où? Eh bien, il n'est pas là. Donc, on va paralyser un peu le Jiraya Burst. Hein, pour éviter qu'il nous vole notre ulti. Ok, donc Kesta gagne le match, bravo lui. Ah oui, c'est vrai qu'on a les 25 secondes. C'est très bien. Alors, tac tout, tac tac. Je pense qu'on va... alors, qui on va au prochain tour, essayer de cibler l'ami Naruto afin d'éviter de lancer des ultis dans tous les sens. Alors attendez, c'est un Hashirama Edo qu'il a Alex. Très bien. Très très bien donc. Donc. Hop là. Ok, de manière extrêmement autoritaire, il lance son ulti en pré-shot comme ça. Hein. Il a pas le time. Parce que bon là, s'il se prend une immobilisation ou n'importe quoi, bon. Ça peut être complexe quoi. Elle bouge tout, bien sûr. Il y a littéralement tout pour l'équipe. Alors. Autour de, on lance une team de P1. On est à peu près synchronisé entre les deux comptes. C'est quand même formidable. Ok. Et le Hashirama, ouais, il avait l'air d'être totalement contrôlé avec extrêmement peu de points de vie. Dans une situation de l'inconfortabilité, bien sûr. Alors, Stark, le... non, on va pas l'affronter parce qu'il a 2 milliards de combativité. On va peut-être se calmer un petit peu. Essayons de nous représenter le... la sérénité, évidemment, du cours d'eau. Alors du coup, ok, bon, évidemment on paralyse le Kizame comme toujours pour éviter que le pont en chakra devienne 60 et qu'on soit un petit peu décliné, bien sûr. Bon, allez, on va lancer l'ulti au tour 1. On est des oufs. On est des oufs. Évidemment. Allez hop, petite ulti chichui, c'est parti. En avant pour l'aventure. Ok, on n'a pas besoin d'attendre le tour 2. Très bien. Contre du sable rouge tout du moins. Contre les comptes de Seb. Ah je sais pas. Je sais pas parce qu'évidemment, amener Missiman, je me rappelle plus de la compatibilité des comptes. Ok, donc là on a Madara en P1 et Naruto en P2 à moitié. Une P2 offensive. Les P2 si jamais on le gère pas, il faut être dans la complexité. Et si jamais on gère leur P1, bah. Si jamais on gère leur P2, bah leur P1 a le champ libre. Donc essayons de faire en fonction. On va lancer un ulti Madara, voilà, histoire de commencer à entamer quelque peu les pouvoirs de points de vie. Alors, de toute façon, que les points de vie de son Banefoot sont déjà assez bas, mais bon. Peut-être aller chercher un peu plus. Ok, on paralyse totalement la Tsunade, il va pas pouvoir ressusciter ce tour-ci. Le Menter, enfin le Naruto Six Pass qui part en direction de notre Madara. Ok. On se débarrasse du Madara Advice, donc là évidemment la menace ça reste le Naruto.
s'il y avait des points de vie en fait, mais... On va attendre un peu quand même. Ok, oh, je suis assez impressionné par le... Par le fait que... Que Itachi a des dégâts absolument incroyables, bien sûr. J'ai remarqué aussi quelque chose, c'est que lorsqu'on joue à deux comptes dans la configuration dans laquelle je joue, en fait, je peux pas décemment utiliser les touches du clavier, je suis obligé de cliquer à la main. J'avais remarqué ça en fait. En théorie, on perd un peu de réactivité, mais bon. Pas de problème avec tout ça. Un peu de plus à augmenter. Un truc en plus à prendre en compte. Bon, il n'y a pas de problème. Ok, ça aussi. Ça sourit. Ça aussi. Ça sourit. Ça aussi, bien sûr, avec. Avec. La chose. Bon. Alors. Alors, bon, évidemment, sur des faits à technique, évidemment, de. De cliquer dans tous les sens et il tombe sur Imoko. Ah, un membre de guild. Aïe, 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 aïe. Mais c'est terminé, donc let's go. Voilà. Bon, nickel. On n'a pas, pas écrit le drama du siècle, bien sûr. Ok, alors, qui a gagné? Alors, oula, c'est la grotte. La grotte avec une avance assez confortable. Ok. Ok, ok. Des fois, c'est beaucoup plus serré que ça entre les trois camps, mais bon, là clairement la grotte, puis le mont, puis la forêt, et donc du coup ouais, j'ai gagné un peu de saut solaire, c'est très bien. Deux charmes d'affinage 3, nickel. Et on est presque on est presque dans le top, on est dans le top 5, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Au niveau du mont, Ishii, Athéna, Kino. Oh, cendrier, médaille en chocolat. Incroyable ça. Eh bien, let's go. Et au niveau de la grotte. Alors ça, c'est un truc que j'ai toujours... parce que je suis en train de marquer le rank là, mais en fait... le rang 1 est à la place du rang 10 ou inversement, réciproquement. Enfin bref, c'est... Ah, c'est incroyable. Il y a des choses formidables. Donc voilà pour la grotte. Et bien, écoutez, bravo à tout le monde. Bravo à tous les joueurs. Et ben, moi, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.